دخلين مزبوطة خوتتنا من هان ما بعرف ما دانو دابو نفوت ونفوت دخلك شو قصت هالأمراض دخلك لحنو قالوا جاي كله من السعدين Nous sommes tous des imbéciles. Hélas, nous sommes gouvernés par des idiots. Faudra trouver un remède à cela. Ce remède est introuvable. Ça ne fait rien. Je vous le trouverai quand vous voudrez. Mais nous voudrions bien. Pouvoir, c'est savoir. Pouvoir et savoir sont les deux facultés de l'âme. De l'âme. دخلين؟ ليش فتنا من هان وظهرنا من هان؟ ما بعرف هدى بنفوتوا بنفوت نظهر من غير تيك دخلين هالخضرة اللي عم ناكلها حولك نظيفة ما بتعمل أمراض مبلا بعمل مي بتعمل بالبطن ضفادع واللحم بتعمل أسيد والسمك بتعمل سكين Le dimanche, c'est moi qui m'occupe de la petite voiture des bébés. J'ai deux jumeaux. Ma femme tricote. Pour moi, c'est le contraire. ما بعرف دخلي عشان هاي نضحك الناس بتاينا قالوا فوتوا ما بعرف ما دام فوتوا بنفوت كله بس عليك عن ما بعرف امي يا قابي Je vous dis que ça n'allait pas très bien. J'étais dans un brouillard épais, je ne comprenais rien. J'étais agité, une sorte d'excitation nerveuse et musculaire. Ça n'allait pas bien du tout, mais du tout. Je ne pouvais ni rester assis, ni couché, ni debout. Je ne pouvais pas marcher parce que ça me fatiguait. Je ne pouvais pas rester sur place. Il y avait pourtant une solution. Pas très agréable, mais c'était la seule. Laquelle ? Vous pendre. On aurait pu vous pendre. C'est dangereux. Oh, un risque à courir. Pour moi, ce fut pire. La dépression. Le monde entier était devenu une planète lointaine, impénétrable, en acier fermé, quelque chose de tout à fait hostile et étranger. Aucune communication, tout coupé. C'est moi qui étais enfermé dehors, et dehors, j'étais enfermé. Mais où était le couvercle ? Dedans ou dehors ? En tout cas, je ne pouvais pas le soulever. Ça pesait de tout, des tonnes. Ah non, si, je vous ai dit, le plomb encore peut fondre.
je n'ai jamais pu soulever plus de 60 kilos. Plus facilement 60 kilos de paille que de plomb. C'est plus léger la paille. On se demande parfois comment on peut faire pour vivre. Hein. C'est pas toujours gai, comme dirait mon ami Gaston. Peut-être vaudrait-il mieux mourir. Ne dites pas. Ça porte malheur. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui vont dans les astres. Nous sommes de la race des désastres, ou plutôt, petits désastres. Ce ne sont que des techniciens supérieurs. Ils iront dans la lune, ils iront dans les étoiles, ils iront plus loin que nous, mais ils n'en sauront pas plus que nous. Quelle vue auront-ils ? Plus vaste que la nôtre. Oui, mais que sauront-ils sur le tout ? Ils ne sauront rien du tout sur le tout. Il n'y a que le tout qui compte. Le reste n'est rien. En effet, le rien ne compte pas beaucoup. Pourtant, j'aime bien les étages supérieurs. Les locataires des étages supérieurs ont une vue plus étendue, plus élevée que celle des étages, des locataires des étages inférieurs. Pas toujours. Comment ça ? Si une maison est construite à flanc de côte, et si les locataires des étages supérieurs ont leurs fenêtres, ou leurs lucarnes, ou leurs soupirails qui donnent sur le flanc de la côte, les étages inférieurs peuvent être des caves. Pour les autres, c'est la perspective. Ceux d'en bas voient de plus haut. Rien n'est vraiment prévisible. Rien n'est vraiment guérissable. C'est fatigant. Ya Marilais, ya Marilais. Ya Marilais, izalami min bayt rahmi, hatta law kan tahmi. شو هذا ما بقدر ما بتفرق معها حدا صح ودي شيء ولا بدي بوش ولا ما بتفرق مع احد يا ريت هالبيت يضل مفتوح والحبيب بتجي Alors je lui ai dit devant, c'est derrière. Ça c'est une preuve de maths. C'est une histoire franchement en verre. رضينا بالهم والهم ما رضي فينا آه
pizza sembora sem mamãe na chigar. Ich werde es chigar. Rambo. Think outside the box. What? Inside. Think outside the box. Outside the box. Ma femme n'en sorte, allons boire notre absinthe. Elle doit rencontrer ma femme chez le pâtissier. Mettez votre tricot dans la poussette, les bébés ne vont pas le manger. Madame. Oh. Et chère voisine, voulez-vous garder les bébés un moment? Bonjour, monsieur. Je n'ai jamais vu vos jumeaux. Oh ma, qu'ils sont si beaux. Ne les réveillez pas, surtout le temps d'aller boire un verre avec mon ami. Nous allons boire un verre tous les deux. A tout de suite, mesdames. Et merci. Il y a aussi mon tricot. On m'a dit que vos bébés étaient blancs. Mais il n'y a pas plus blanc. Ils n'ont pas le teint clair. Mais il n'y a pas plus blanc ni plus rose. Mais ils sont violacés. Ils sont tout noirs. Ils dorment. Violacés. Mais bébé, tout noir. Pas assez couverts, ils doivent avoir froid. On les touche, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que vous racontez? Petit mignon. Ah, ils sont glacés. Quoi? Mais ils sont morts. Mais ils sont bien portants. Ils sont. Mort! Qu'est-ce qui se passe? On les a étouffés, on les a étranglés! Qui a fait ça? Mais qui a pu faire ça? Je sais qui c'est. Je les ai confiés ce matin à ma belle-mère. Elle en voulait toujours à ses enfants, parce qu'elle me déteste! Il y a longtemps, depuis toujours! Il dit que c'est la grand-mère! Mais ce n'est pas une raison suffisante pour tuer des enfants! Je lui aurais tordu le cou, mais pas aux enfants. Oh non, c'est une honte. C'est plus qu'une honte. Les vieilles femmes, ça a toujours été un danger. Oh. Des tueuses, des empoisonneuses. Oh. Belle-mère, c'est vous qui les avez tuées. Mais non, ce n'est pas moi. Criminelle. Oh, bien sûr. Ah. Ne participe pas. Mais dis donc. Elle est morte. Misérable! Ce n'est pas moi, je ne l'ai même pas touchée! Elle est tombée toute seule! Elle est violacée! Oh. Elle est toute noire! Oh. Cette femme était ma bienfaitrice! Tu m'as payé! Oh. Ah. Non! Tu as tué mon copain! Salaud! Assassin! Mais ce n'est pas moi, je l'ai raté. Il l'a glissé, il est tombé tout seul. Il est tout noir. Il est violacé. Je ne peux supporter. Police. Mon cœur. Assassin. Salaud. Mais ce n'est pas lui. Il a dit qu'il est mort tout seul. Elle ne bouge plus. Il faudrait quand même appeler un médecin. Mais non, c'est les pompiers
Ah, c'est pas moi. C'est pas moi, je vous le jure. C'est pas le cœur. C'est peut-être le cœur. Elle a de bien vilaines couleurs. Elle est morte. C'est le ciel qui l'a punie. Elle n'est peut-être qu'évanouie. Mais... c'est tout de même extraordinaire. Je n'aurais jamais cru. Ils sont pas bons à voir. C'est à cause de leur méchanceté. Ils sont coupables. Ils sont innocents. Mais elle est partie chercher les pompiers, relevez là. C'est fini. On va pas tous crever. Oh. Elle est inerte. Morte. Ce n'est pas... On m'a déjà pris l'habitude. Ayez pitié. C'est le mal. Le grand mal. Ayez pitié. Mon père, j'ai volé. Je suis parricide. J'ai commis la cesse, mon père. Pardonnez-moi. L'enfer. Ma petite chérie, où es-tu? J'ai fait le mal. Oh, mon mari, ton défi n'est pas prêt. Étranger, un mal inconnu s'est répandu dans notre ville depuis quelque temps. Ce n'est pas la guerre, il n'y a pas d'assassinat. Nous vivions normalement, calmement, beaucoup d'entre nous dans le presque bonheur. Tout à coup, sans cause apparente, sans avoir été malade, les gens se mettent à mourir dans les maisons, dans les églises, au coin des rues, sur les places publiques. Ils se mettent à mourir, imaginez cela. Et le comble, ce ne sont pas des cas isolés. Un mort par-ci, un mort par-là, cela peut s'admettre à la rigueur. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a une progression géométrique de la mort. Il s'agit, nous disent les médecins, les historiens, les théologiens, les sociologues, il s'agit d'un mal qui revient cycliquement, rarement, mais cycliquement. Et qu'on n'avait plus connu depuis quelques siècles dans une autre partie du monde. Il fait le tour de la terre et vient frapper le pays ou la ville la plus heureuse, oui, au moment le plus accompli de son histoire, au moment où on croyait qu'il n'y avait plus rien à craindre. On l'a vu les deux dernières fois dans des endroits très lointains, à
Paris et dans une autre ville de l'Antiquité, Berlin. En Sicile aussi, paraît-il, mais nous n'avons plus les documents suffisants pour savoir si c'était exactement la Sicile ou l'Argentine. Il est inconcevable que notre tour soit venu alors que Brest était plus proche de ses contrées. Je vous ai réunis une dernière fois sur cette place publique pour vous dire ce qui nous arrive. Et que ce qui nous arrive est incompréhensible. Nous sommes accablés par une mortalité sans cause connue. Je dois vous annoncer que les pays voisins ainsi que les autres villes nous interdisent leurs portes. Des soldats entourent la ville. Plus personne ne peut entrer et vous ne pouvez plus sortir. Personne. Hier encore, on pouvait partir. Dès aujourd'hui, nous sommes pris comme dans un piège. Je demande des volontaires pour surveiller les maisons infectées, pour empêcher qu'on entre dans ces maisons ou qu'on en sorte. Tout suspect qui entrera dans une maison sera enfermé avec les gens de la maison. Gardez-vous bien des suspects. Dénoncez-les, pour le bien public. Nous ne connaissons pas de remède au mal. Nous pouvons essayer de le limiter. De cette façon, peut-être, nous réussirons, quelques-uns d'entre nous, à survivre. Mais qu'on ne compte pas là-dessus. Rentrez chez vous. Que chacun reste chez soi. Que l'on ne sorte que pour le strict nécessaire. Était moins forte, l'épidémie serait moins virulente. Il y a aussi une pluie chaude. Quand il y aura la neige et le gel, cela fera disparaître la maladie. Monsieur, ne sortez les cloches pour les morts. Il y en a trop. Ils n'ont pas le temps.
C'est pour rassurer la population. Il n'y a pas de secondes, il n'y a plus de secondes marches. Les trois quarts sont morts de la maladie. Écartez-vous, vous en avez tout fait. La distance est hygiénique. Allez-vous fermer les portes. Allez-vous fermer les têtes. On ne pourrait pas glisser parce que c'est une porte. Et pas mes mains. Ne doit pas passer. Nous avons du riz, nous avons du blé, nous avons du poisson, nous avons de la viande séchée, nous avons des fruits secs, nous avons des noisettes, nous sommes à la rivière. Je sens courant l'air, soyez vigilants. N'oubliez pas de boucher tout. L'esprit mauvais ne connaît pas les murs et les cloisons. Il est invisible. Et pour lui, la matière n'existe pas. Mais si vous y pensez, monsieur, il entre par la pensée. Mais n'y pensez pas. N'y pensez pas. Nous sommes invisibles. Voilà ce qu'il faut se dire. Sommes-nous impénétrables? Mais répondez. Répondez. Nous sommes Je suis impénétrable. Le mal ne peut me toucher. Et toi? Le mal ne peut nous atteindre. Le mal ne peut arriver jusqu'à nous. Je suis impénétrable. Je suis intouchable. Les pommes de ses mains noircissent. Ses yeux rougissent. Son visage est blanc. Il a tout renversé. Il a cassé les assiettes. Je n'en ai plus d'autres. Ce sont les signes du mal. Ce sont les signes du mal. Wow. Vous ne pouvez sortir d'une maison pour prendre la maladie. Si vous essayez. Bah je tire. Empêcher les gens des quartiers insalubres de pénétrer et d'aller se réfugier dans les arrondissements moins touchés. Le mien surtout, le premier. Mais comment avez-vous pu vous faufiler? Mais je vous fais des paix.
vais établir moi-même ce règlement. Mais je... Approuvé par la majorité des conseillers municipaux. Mais je ne vous fais aucun tort. Mais si, et je vais de ce pas avertir la maréchaussée. Je suis venue dans votre quartier pour l'intérêt de la cité. Oh, c'est moi qui suis chargée de l'alimentation de la compote. Oh. Depuis que les fruits crus sont interdits. Voici mon laissez-passer et mon ordre de mission. Je regarde vos permis de loin et votre famille. Certains vivent encore. D'autres parents sont morts. Mais comment a-t-on pu déléguer une habitante du 21e arrondissement à l'approvisionnement de la ville? Oh. Écartez-vous! Parlez-moi à 3 mètres de distance, non, plutôt à 5 mètres. Et votre famille? Pour que vos microbes ne puissent m'atteindre. Et votre famille? Personne chez moi n'est ni mort ni malade. On ne signale aucun cas suspect dans les 12 maisons de ma rue. Personne ne peut savoir ce qui peut nous arriver demain. Rien ne m'arrivera à moi, ni à ma famille. N'approchez pas. Vous venez d'un endroit fort malsain. Vous m'avez l'air bien rassurée. Dans ces moments où la catastrophe sévit, décime la ville. Eh bien, rien de sorcier. Les gens qui sont malades, mourant morts, entêtés ou sont imprudents. Il n'y a qu'à ne pas se mêler à la foule. Il n'y a qu'à ne pas s'approcher des malades, tout simplement. Il n'y a qu'à ne pas avoir de mauvaises fréquentations. Et si vous étiez infirmière, médecin ou croque-mort, que feriez-vous? Eh bien, je démissionnerais. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Je ne vis que de l'argent de mes rentes. Je laisse à d'autres les métiers imprudents. Je suis à l'abri. Je n'ai touché aucun corps malade. Vous en avez de la chance de ne pas risquer votre vie pour la vie des autres. D'autres, cependant, la risquent pour vous. Et ne soyez pas trop contente, madame. Il est presque impossible de savoir qui est en bonne santé et qui ne l'est pas. On voit des gens ayant l'air en bonne santé, tout frais et tout rose, et qui seront morts une heure après. Si j'ai pu échapper jusqu'à présent, j'échapperai bien par la suite. Oh, je ne suis pas une égoïste quand on me demande pas trop. Je porte volontiers secours en temps normal, mais on a le droit et le devoir d'être provisoirement égoïste dans les moments graves. Ouh, cela se défend. C'est une morale comme une autre. Je ne vois ni les médecins, ni les infirmiers. Oh, j'évite les croque-morts. Je n'achète ma nourriture que dans les magasins d'alimentation de première catégorie. Il vaut mieux dépenser quelques sous de plus. Ma vie vaut bien celle des autres. On vous a signalé avant-hier au restaurant de la dinde farcie. N'étiez-vous pas dans l'une des salles à manger de l'établissement en train de dîner avec Monsieur Daniel? Ce monsieur est un ami avec lequel je discutais à faire. Il est beau et gras et il prend les mêmes précautions que moi. Dans ce cabinet particulier, personne susceptible de nous donner la maladie. Ah bon? Pourquoi dites-vous « ah bon » ? Je dis « ah bon » parce que je dis « ah bon » Ai-je dit « ah bon » Ne vous approchez pas de moi. Vous n'allez pas me dire? Je n'ai rien à dire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n'avez rien à dire? Ne vous approchez donc pas de moi, ne me le faites pas répéter. Cet ami, ce monsieur avec lequel je dînais hier soir, est-il malade? Non, il n'est pas malade. Il n'est plus malade. Il a guéri si vite? Non plus. Il est mort. Il est mort, il est mort par accident. Il est mort d'une attaque. Il est tombé. Il est mort.
assassiné. Si vous voulez la vérité, il est mort de la maladie. Alors? 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 Je vais mourir aussi. Je vous le répète pour la troisième fois. Ce n'est pas une raison pour vous approcher de moi. Si vous faites un pas de plus, je sors mon pistolet. Je suis une femme morte. À moins d'un miracle, c'est comme si j'étais morte. Infirmier, infirmier, approchez. Je crois que je suis contaminée. Oula. Trop tard. Je vous jure que c'est trop tard. Plus aucun médicament ne peut plus vous servir. Je suis une femme morte. Je suis une femme morte. Oh, mais vous aussi, vous êtes une femme morte. Et moi, je suis un homme mort. Deux barreaux sont sciés. Tu n'as plus qu'à pousser un peu et ça y est, nous pouvons nous évader. Pour tomber dans le fossé, il y a de l'eau. Tu le savais, que tu sais bien nager. Et puisque je te dis qu'après, au bout de 5 minutes, on est sur la terre ferme. Dans la prairie ensoleillée. Oh. Et après, il y a les jardins. Et puis les boutiques et les rues. Oh. Les boulangeries. Et les bouchers, les marchands de vin. Oh, les fruits. Casse la ligne. La gardienne arrive. Voilà la gardienne. Je n'ai pas fermé la porte par laquelle je suis entrée. Et toutes les autres portes ne sont pas refermées. Je sais que vous voulez passer par la lucarne. Je sais aussi que vous avez une lime. Ce n'est plus la peine de vous donner tant de mal. Nous avons comme gardien un autre mal, bien plus dangereux que nous. Je n'ai pas peur du chômage. Je ne crains ni l'eau, ni le feu. Il ne s'agit plus de cela. Vous ne me ferez pas reculer. Vous pourrez peut-être intimider cet homme-là, mais moi, je suis pas votre homme. Lui, il a de temps à autre des hésitations. Les gardiens qui étaient aux portes sont morts. Comment ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi n'envoyez-vous pas d'autres gardiens? Mais si, on les a remplacés. Ce sont des gardiens invisibles. Vous vous moquez. Ce n'est pas mon habitude. La maladie sévit dans toute la ville. Jusqu'aux remparts, jusqu'aux portes de la ville qui sont fermées, elles. Elles sont gardées par des soldats qui peuvent mourir d'un instant à l'autre. Les portes n'en seraient pas ouvertes pour autant, car il y a des gardiens du dehors qui vous empêcheraient de sortir. La ville jusqu'aux remparts me suffit. Moi aussi. Les gardiens du dehors n'ont pas la maladie. Dis-moi, ils ne l'ont pas encore. Et c'est pour cela qu'ils ne vous laisseraient pas sortir. Mais quelle maladie? La maladie qui tue.
L'épidémie qui ne laisse aucun espoir. Les gens gisent sur les trottoirs, dans les rues, dans les appartements fermés, dans les églises et dans les temples. Depuis lundi, 30 000 nouveaux cadavres ont été comptés. Femmes, hommes, animaux. Deux fois plus que la semaine dernière et trois fois plus que la semaine d'avant. Mais ça n'est pas possible! Vous mordez. Vous voulez m'effrayer? Oui, ce doit être un mensonge de l'administration. Allez voir donc. Et bientôt, vous ne verrez plus rien. Vous ne sentirez plus rien et vous n'entendrez plus rien. Le directeur de la prison est mort. Il est mort parce qu'il sortait tous les soirs. Il sortait tous les soirs pour voir sa femme et ses enfants. Il a été contaminé par sa femme et ses enfants. Et il est mort entre ses chers cadavres. Hier, un tramway est parti d'un bout de la ville à l'autre, plein. On n'est pas obligé de prendre le tramway. Les piétons ne sont pas non plus à l'abri. Les cadavres leur tombent sur les têtes par les fenêtres. Moi, je suis célibataire. Je n'ai pas de relation. Je ne sors jamais de prison. Il n'y a pas de danger en prison. La vraie prison, c'est à l'extérieur. Alors, la prison ou la mort? C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Sortez donc si vous le voulez. C'est un piège. Mais puisque je vous dis que je vous laisse la porte ouverte, je vous le répète, toutes les portes qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, c'est une menteuse, c'est une rusée. Elle ne ment pas. Qu'est-ce que t'en sais? As-tu des preuves? J'ai rêvé cette nuit que l'on mourait. J'ai vu dans mes cauchemars des stations, ça a dépassé des immeubles de 6 étages. Les portes sont ouvertes, tu vois. Est-ce que tu as peur de t'évader? Tu te dégonfles. Les portes sont ouvertes. Regarde. Tu me diras pas que tu crois des rêves. La vérité est dans les rêves. Ce que l'on ne peut pas réaliser le jour, les rêves pendant la nuit le concrétisent. On s'arrange avec les rêves. Le rêve vous montre ce que vous avez peur de faire. C'est un faux alibi. C'est pour essayer de la lâcher. Si les portes sont ouvertes, c'est qu'il n'y a plus besoin de gardien. Je préfère finir mes jours en prison. Très tard. Je partirai tout seul. Mais je me méfie des gardiens qui doivent être regardés les autres portes. Elle nous a menti. Il y a certainement des gardiens bien vivants, en bonne santé. Je dois partir. Mon parti m'attend. J'ai une mission. J'ai des devoirs vis-à-vis des autres. Vive la liberté! Tu peux me suivre si tu veux. Hein. Je passe par la lucarne. Je me méfie des portes. Adieu! Il n'ira pas loin. Il ira me mordre. Je ne peux plus nager. Je vais partout. Où. Je sombre en secours. Ah, son corps tout gonflé flotte déjà sur l'eau. Vous voyez que j'ai dit la vérité. Je vous ai toujours cru.
puisque je vous dis que je l'ai toujours cru. Vous n'allez pas me tuer. J'ai eu des maux de tête en ce moment. Sans doute parce que j'étais trop impressionné par les événements récents. Vous êtes au courant? Mais quels événements? Quels événements? Vous voulez parler de... La maladie qui sévit dans les bas quartiers. C'est dans les bas quartiers qu'elle sévit. Ici, nous sommes à l'abri. Vous savez, dans les bas quartiers, l'ignorance, le manque d'hygiène, les vices, la pauvreté. Il y a aussi la pauvreté, la misère. C'est sale, la misère. La pauvreté est un vice. Ils sont pauvres, mais parce qu'ils veulent bien des déchets. Ils se laissent aller, la paresse, l'ivrognerie. Vous savez, la misère est la mère de tous les vices. Ah, on peut dire aussi que le vice est le père de toutes les misères. Mais vous pensez que ça ne peut pas arriver jusqu'à nous? Mais non, je ne crois pas. Nous ne sommes pas des malheureux. Ah, savez-vous qu'Alexandre est mort? Quand? Comment? Pourquoi? Il allait mieux? Il était juste convalescent? Il est mort, mais pas de l'épidémie. L'épidémie n'entre pas dans les hôpitaux. Oh, peut-être dans les hôpitaux des bas quartiers. Et encore, ce sont tout de même nos médecins, les médecins des hauts quartiers, qui sont les chefs de ces hôpitaux et qui surveillent. Ils ne permettraient pas à l'épidémie d'entrer. Oula, mais de quoi est-il mort? C'était assez inattendu. En tout cas, pas de la maladie. Il n'en présentait pas les signes. Il est mort parce qu'il a bien voulu. Il l'a fait exprès. Pour se donner au spectacle. Comédien jusqu'au bout. Il revêt une maladie, une convalescence qui a mal tourné. Putain, c'est vraiment navrant. Les amis, c'est bien pour nous. J'avais besoin de mes amis. Et pour les remplacer, il en faut du temps. Il en faut de la chance. Vous savez, quand ma femme va la prendre... Votre mal de tête vous reprend. C'est le choc. Mais je vous comprends. Vous avez l'air... Fatigué. Mais vous pâlissez! Non, vous ne pâlissez pas! Vous reprenez des couleurs! Ça va beaucoup mieux! C'est ça la vie! Mourir! Je me sens beaucoup mieux, ok? Moi, je me sens! Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Cher ami, levez-vous! Réveillez-vous! Un arrêt du corps? Mais peut-être qu'elle va. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris?
Il se sentait mieux. Quand j'ai quitté la maison de mes amis, ils étaient deux. Je suis allé chercher le journal. Oh. Je suis revenu. Je suis remonté. J'ai ouvert la porte. Et là, j'ouvre 12 cadavres étendus. Comment ont-ils fait pour se multiplier? Ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faudrait bien se dire, c'est ceci. Se sont-ils multipliés de leur vivant ou après? En tout cas, cela s'est fait en 5 minutes. Peut-être par la machine. Le printemps, les lacs, les pérennes.
plaît-il, mère? Oui. Mais je n'ai pas envie de le porter. Oh, le mal nous épargnera, j'en suis sûre. Voulez-vous un autre parfum? Oui, allez. Voici vos bagues. Et votre poudre. Oh, tu peux te mettre du rouge sur tes lèvres, sur ton visage. Je suis pâle, n'est-ce pas? Il y a des gardes devant la maison d'en face. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Que le ciel vous entende, madame. Je suis fatiguée. Si fatiguée, je n'ai plus envie de rien. Allons, il faut te secouer. Réagis, ma chérie. Tu veux que je t'aide à t'habiller? J'ai mal à la tête. Qu'avez-vous, mademoiselle? Rien, je vous dis. Elle n'a absolument rien. Une petite migraine, sans doute. Je vais t'habiller et te préparer convenablement. J'aimerais plutôt... Je voudrais m'asseoir, me reposer un peu. Repose-toi alors, si tu veux. Mais pas pour longtemps. Dans quelques instants, nous devrons sortir. Apportez-moi de l'eau fraîche. Ce n'est qu'un petit malaise. Mère, j'ai mal. J'ai mal. Les yeux, la gorge, le ventre. J'ai froid. J'ai tout. J'ai chaud. Notre science est impuissante. Impuissante dans ces cas, impuissante aujourd'hui. Elle ne sera plus impuissante demain. Dire que la science est impuissante, cela mène au mysticisme condamné par la loi. Ou bien à l'agnosticisme, ce qui est réprouvé par le corps médical, les physiciens, les biologistes, les chimistes, ainsi que par l'administration. Et les comités de vigilance. Ce n'est pas le mysticisme qui a recouvert les rues de cadavres, de dizaines de milliers de cadavres. La science non plus d'ailleurs. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté les préceptes de l'hygiène. Ouais. L'enseignement médical dans les facultés, aussi bien que l'enseignement d'hygiène et prémédical populaire, est mal conçu. La
l'administration de la ville doit être mise en cause. Il faut arrêter les membres du conseil municipal, le maire, ses adjoints, ainsi que les cadres. Ouais. Il faut les juger, les condamner à mort. Oui. Pour la plupart d'entre eux, ce n'est plus la peine. Oh. Mais ce n'est pas à cause de l'ignorance que l'on meurt. Seriez-vous partisan du mysticisme si on meurt par ignorance? Cher collègue, éminent collègue, si je comprends bien, selon vous, si on suivait les préceptes de la médecine, consciencieusement, de bout en bout, personne ne mourrait. Voilà, c'est quelque chose de sensé, enfin. Théoriquement, ne meurent que les personnes qui relâchent leur vigilance et meurent sans le savoir. Oh, sans qu'elles s'en aperçoivent. Ou bien meurent ceux qui le veulent bien. Ou alors, les condamnés à mort, ou les soldats tués à la guerre. On meurt aussi en temps de paix. On meurt aussi malgré soi. Oui, bien sûr. C'est pour cela que beaucoup de personnes, les personnes polies, bien sûr, meurent en s'excusant. On meurt quand on veut bien mourir. Mais ce vouloir bien est un vouloir complexe. Et je dirais même plus. Qu'on meurt lorsque, consciemment ou non, on accepte la mort. C'est l'être qui cède, qui renonce. Les vaillants et ceux qui luttent pour la liberté et la libre détermination de soi-même ne doivent pas céder. On ne peut pas ne pas céder. Wouh ! Bravo. Si l'on meurt, c'est qu'on a bien voulu céder aux forces du mal. Champion tout. La mort, c'est la réaction. Cela ne doit pas arrêter les forces du progrès. Non mais tu vas être limité dans le temps. Il est banal, élémentaire. Rassieds-toi. Je déplore à la fois que la mort existe et je déplore également que l'on doit vous le redire et que vous tâchiez de réfuter cette vérité. Bravo. Vous méritez d'être condamné à mort. Ainsi, puisque vous vous résignez à la mort, on peut bien vous la donner. Un petit tribunal, un petit jugement, et ça y est. On se calme. L'élan collectif ne craint pas la mort. Elle n'existe pas pour les gens qui ont la tête solide, qui connaissent bien la doctrine et qui vont de l'avant, toujours de l'avant. La mort, c'est la tentation de la réaction. Moi, je suis d'accord avec mon éminent collègue, le quatrième médecin. Au bout de la vie, il y a nécessairement la mort. Notre collègue devrait nous dire ce qu'il n'entend pas nécessairement. Oui. Il n'y a pas de nécessité. Voilà, lorsque les hommes de loi ont jugé que cet assoyage sont condamnables pour crime contre l'humanité et le pays. Alors, si un corps médical juge que l'on peut plus subvenir aux besoins de tout le monde et qu'il faut supprimer 20, 30, voire 40% des citoyens. On exécute dans ce cas tous ceux, et seulement ceux, qui croient à la mort par mysticisme. Ou qui n'obéissent pas aux lois de l'hygiène populaire. Qui croient davantage à la mort qu'à la vie. Nous n'avons pas besoin de cela, et c'est temps. Non mais, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous comprenez que nous allons
Mais elle a raison. Mais oui, j'ai raison. Trouvez-le. Elle ne pourra jamais apporter de preuves. Mais les lois même de la biologie nous démontrent. L'ensemble de ces cadavres étaient autrefois des gens bien pensants et bien portants. Oui. Non. Les gens qui sont morts accidentellement, de vieillesse, de maladie, le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête de fonctionner. L'enseignement et la pratique vous ont appris cela, cette chose que même un enfant est capable de comprendre. Quand on est imbu de science, quand on garde en tête la théorie et la pratique de la doctrine. Vous faites bien de le redire. Alors vous prétendez, mesdames et messieurs, que des centaines de milliers de personnes sont mortes par mauvaise foi, par ignorance. Ou parce qu'ils n'arrivaient pas à croire à la vérité de la doctrine. Mais ils sont bêtes. Oh, le petit Jacques. Nous pouvons l'affirmer. Ils ont été sensibles à la propagande adverse. Ce furent des victimes. Ouais. Et c'est à cause de la propagande adverse que notre science n'est pas assez puissante. Ouais. Ce sont des victimes. Pardon. Ce sont des victimes. Ils devaient nous croire. C'est aussi leur faute. Oh. Hélas, ils ont une croyance vieille et dépassée, mais encore virulente. Voilà. Il y a de ces gens qui disent que toute action est inutile, puisque, au bout du compte, il y a la mort. C'est un argument que l'on peut prendre en considération. C'est la raison même. Non, non, je suis. Seriez-vous défaitiste? Non, pas du tout. Seriez-vous réactionnaire? Non. Je crois qu'il y a la mort. C'est une autre. J'en mourrai, j'en meurs. Ah, je parie que si. Parce que vous autres, vous pensez que les gens qui meurent sont de mauvais citoyens. Les mourants ne sont pas assez politisés. Il faudra châtier leurs enfants. La mort est la véritable aliénation. Vous ne formulez que des clichés. Le bon sens n'apporte que de fausses vérités. Et entre le bon sens et la vérité, il y a un abîme. Donc vous ne voulez pas prendre la mort en considération. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est elle qui nous prend en considération. Et vous ne pourrez pas l'empêcher. Non, c'est faux. C'est faux. Ce que vous dites est faux. Je voudrais bien vous donner raison. Mon cœur. Qu'est-ce que vous mon cœur. Mon cœur me lâche. Là, mon cœur. Ce n'est pas le cœur qui me manque. Mon cœur me manque. Excusez-moi. 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 Ils sont morts. Cela ne m'étonne pas. Cela ne m'étonne pas non plus. Pas pour les mêmes raisons. Non. C'est de leur faute. Ils l'ont bien voulu. Tu donnes un bien mauvais exemple. La mort. N'est pas la règle, c'est l'exception. Le mauvais exemple est contagieux. Et il y a des gens assez bêtes pour suivre le mauvais exemple. Mais nous, nous saurons l'éclairer. Ouais. C'est la maladie qui est contagieuse. Veuillez m'excuser, je m'excuse. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ils méritent. Leur croyance dans la mort les a tués. Tout ça nous montrait que la mort n'existe pas pour nous. Nous qui croyons à la science et au progrès, nous allons donner le bon exemple. À la mort, vive la vie. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Voyons. Ne tombez pas.
que je ne tombe pas. Excusez-moi.